Good morning, à la Iden les Sutra aujourd'hui, les Elohim, Nishmat, Richard, Aaron, Ben Fortune, Mazal, Claude Israq, Ben Fortune, Mazal. Si vous souhaitez aussi des liens, rejoignez du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Maseret Shekalim, Perekret, Mishnah Aleph. Kol Harukin, Animtsa'in, Birushalayim, Teorin, Chutz Michel Shuka Elion, Livré Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, Bishar Yemot Hashana, Sheba Emtsa, Tmeim, Sheba Tzdadin, Teorim, Bishat Aregel, Sheba Emtsa, Teorin. Perek qui va s'intéresser à différentes situations à Yerushalayim, de loi de pureté, d'impureté, je ne sais pas exactement quel rapport direct avec Shkalim, personne n'a expliqué. On reverra plus tard, on se mettra à plus parler de Yerushalayim, concrètement des Troumot, des prélèvements, de la gestion de la trésorerie. Là, je pense que c'est plus en rapport avec le péric précédent. En fait, on cherchait à, lorsqu'on a une situation, comment, qu'est-ce qu'on va supposer jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, on continue sur ce principe en disant que « Kolarokin anim tsaim d'Yerushalayim » tous les crachats qu'on trouve par terre, un roc, en fait, cracher, ça s'appelle la rouk, la rik, l'irok. « Kolarokin » tous les crachats, les glaires par terre, enfin, « Chez anim tsaim d'Yerushalayim théorim » qu'on trouve par terre à Yerushalayim, ils sont purs. Chutz Michel Shuka Elion, sauf ce que l'on trouve dans le Shuka Elion, au marché supérieur. On va expliquer bien sûr. Du Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. À savoir, tout d'abord, pour loi de pureté et d'impureté, vous savez qu'il y a le Zav, une Touma qui s'appelle Tumata Zav, Zav et Zava, que les liquides qui vont sortir de son corps, selon certaines conditions, eh bien, ils vont rendre impur. D'accord? En l'occurrence, son urine, par exemple, ça rend impur. Son roc, tout en fait, l'agma la précise, tout ce qui est mitagel veyosé, l'agma appelle ça, tout liquide qu'il contrôle, qu'il réunit dans un membre et qu'il expulse, ça véhicule une impureté, une grave impureté de Zav. Du coup, situation embêtante, lorsqu'on trouve quelqu'un qui est craché par terre, si c'est un Zav qui est craché, eh bien, celui qui va toucher ça, il va devenir impur. Il va devenir une tomate Zav, Rishon, parce que là, il va toucher Maga Zav, il va devenir Rishon lui-même. Alors, la Mishnah me dit, sache que tout ce que tu trouves à Yerushalayim, ça reste pur, c'est-à-dire, c'est très important. Si tu as eu un ustensile qui a touché ce roc, est-ce que l'ustensile, il est devenu impur ou pas? Parce que le roc lui-même, il est Avatuma, donc il va rendre impur. Les vêtements, les ustensiles, les aliments, quelque chose qui a touché, est-ce que ça suffit de laver ou bien non, il faut aussi se tremper. Ah, ça dépend, un aliment ça se trempe au mikvé, un vêtement ça se trempe au mikvé, il y a des halachot. Alors la Mishnah me dit dans le doute, je t'explique. À Yerushalayim, la grande majorité des gens, ils sont tous purs. Parce que il n'y a pas de Zav à Yerushalayim, il n'a pas le droit de. Il n'a pas le droit de rester. Il fallait sortir dans les rues d'Yerushalayim, il avait le droit d'être. Mais en tout cas, il y avait la grande majorité des gens éveillés, spécialement à Yerushalayim, à rester dans la pureté. Ok? Sauf dans le Shuka Elion, le marché supérieur, le partenaire apporte deux interprétations, soit parce qu'il y avait là-bas des goïms. Alors les goïms, il faut savoir, un goï d'abord ne véhicule aucune impureté lorsqu'il est vivant. Il n'a pas concerné par la loi de pureté et d'impureté, il n'est pas impur. Mais Chachamim ont fait un décret spécifique sur les goïms. Si vous voyez dans la Gemara, ça s'appelle les Xéra de Nashgaz. Ils ont interdit leurs femmes de peur qu'on s'isole avec eux et qu'elles savent ce qu'ils peuvent faire. Dans tous les domaines. D'accord? Donc du coup, Rémi, on fait un décret, notamment, qui les a, qu'on laisse pas les enfants jouer avec eux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes jeux que nous. D'accord? Vous me comprenez. Et donc du coup, pour nous éloigner de tout ça, ils ont décrété une impureté, comme ça, dès que tu es en contact avec nous, il a un postillon pendant qu'il a parlé avec toi, qui est venu sur toi, qui est devenu impur. Or, tu veux rester pur, du coup, t'es impur, d'accord? Donc partout il y a des goïms. Alors, dans le Shuka Elion, il y avait, là-bas on rapportait des gens qui étaient des kovsim, des laveurs, des gens qui lavaient le linge, qui étaient goïs, qui venaient travailler, ils sont goïs. Et là-bas, ils avaient une très grande fréquence, donc du coup, on craignait qu'il y ait un crachat qui se trouvait par terre, qui venait de lui. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Il y a une deuxième interprétation dans le Partenora qui est dans le Shuka Elion. Il dit juste que non, le Shuka Elion, le marché supérieur, en fait, c'est un endroit assez désert, où justement les avim, les gens qui étaient zaves, ils partaient là-bas pour se promener, pour ne pas être en contact avec des gens purs. Donc du coup, il y a eu un endroit qu'ils ont commencé à squatter,
les avims pour là-bas, donc ils vont avoir une plus grande fréquence, ils vont être plus présents que les gens purs. Donc du coup, la majorité va se dépolariser, et ils vont on va supposer que ça vient d'une personne impure. Ça, c'est le premier avis, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi aussi, Omer Rabbi aussi, il a une autre considération. Tu dis comme ça. Bouchar Yemot Hashana, durant tout le courant de l'année, Shebaem Tsatmeim, Shebatzadim Teorim. Ce que tu trouves sur les côtés, ce que tu trouves d'abord au milieu de la rue, un crachat qui se trouve au milieu de la rue, lui, il va être impur. Shebatzadim Teorim, par contre, ce que tu vas trouver sur le bas-côté, ils sont purs. Et tandis que Ubishat Arigel, pendant la période des fêtes, ça se dépolarise. Shebaem Tsatéorim, les crachats que tu vas tomber par terre, trouver par terre au milieu de la rue, eux, tu vas supposer qu'ils sont purs, mais chez Batzadim, Temeim, et ceux qui vont être sur les côtés, ils vont être impurs. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, il nous donne une explication, il se justifie, chez Mpne Shen Moatin, parce que ils sont purs pendant les fêtes, ils sont peu, les personnes impures, les avims, sont peu nombreux durant les fêtes, alors Mistalkin les Zadin, ils vont se retirer sur le bas-côté des rues. Et on explique un petit peu mieux. C'est une question de mœurs. Combien les gens font attention, les avims font attention. Et selon ça, la halakha va être déduite. Soit, durant le courant de l'année, à Yerushalayim, il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a les habitants de Yerushalayim, quelques petites personnes qui venaient pour des problèmes techniques, pour apporter un korban très personnel, qui devait faire rapidement. Mais en général, à Yerushalayim, il y a les habitants de Yerushalayim. Donc du coup, de manière générale, alors, pendant le courant de l'année, qui va se préserver de ne pas être, qui va se préserver de ne pas soit impurifier l'autre, soit rester pur. Durant le courant de l'année, les avims, eux, ils marchaient sur la rue, ils marchaient dans la rue, sur le trottoir, au milieu de la rue, au milieu du trottoir, sans craindre de rendre impur quelqu'un. Et au contraire, la convention, elle était que l'usage, il était que les gens purs qui voulaient rester purs, ils marchaient eux sur le bas-côté, pour ne pas veiller à ne pas entrer en contact avec le reste des gens. Du coup, puisque c'était l'usage qui a été adopté, donc c'est-à-dire que durant l'année, un crachat qui va se trouver au milieu de la rue, on va supposer qu'il va être impur, parce que ceux qui marchent au milieu de la rue, c'est des gens impurs, et ce que tu vas trouver sur le bas-côté, on va supposer qu'il est pur, parce que les gens purs se préservent. Durant le régel, durant les fêtes, là, il y a tout le peuple d'Israël qui monte à Yerushalayim. Là, la majorité sont purs et ils cherchent à rester purs. Du coup, c'était pas possible de laisser tout le monde marcher sur le bas-côté en discrètement. Et il y a une masse de gens énorme. Donc là, ça se dépolarise. Les gens purs sont ceux qui marchent au milieu de la rue. Et sur le bas-côté, c'est plutôt les gens impurs qui doivent quand même circuler, qui vont, pour ne pas rendre impurs d'autres personnes, ils vont se mettre à marcher sur le bas-côté. Et donc, du coup, ce que tu vas trouver au milieu de la rue, tu vas supposer qu'il est pur pendant la faute, pendant la fête. Et ce que tu vas trouver sur le bas-côté, alors on va supposer qu'il a été craché par les avims qui ont marché justement sur le bas-côté. Et la halakha est établie comme un avis aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.